Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour la création de l'ATC. Donc, je n'ai pas fait la memory text avec vous, alors du coup, j'ai dit, bon, allez, Pilou, sois sympa, fais au moins la memory text avec eux. Donc, l'ATC avec eux. Même moi, je m'y perds, vous voyez, je sais même plus où j'habite. Donc, du coup, j'ai collé, pour que ça redevienne plus ou moins bien droit, j'ai collé mon ATC sur un papier décor, un restant de papier décor qui me restait dans une pochette là. Comme ça au moins ça me permet d'utiliser mes chutes. C'est pas encore tout à fait bien droit, mais bon, c'est mieux que ce que c'était, ça c'est une certitude. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai récupéré, comme je vous disais, la coupe que je vais réutiliser du coup sur l'ATC ici. Voilà, ça va faire plutôt bien. Donc je vais mettre ça là, comme ça, hop. Et je vais mettre du papier, du scotch, de façon à ce que ça bouge pas trop. Alors attendez, parce que j'aimerais avoir la feuille complète. Voilà. Voilà. Donc vous collez, hein, comme ça au moins ça évite que ça bouge. Ah bah oui, regardez, je l'ai bougé avec mes mains carrément, donc c'est pas idiot, tiens. Ah là 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 là. Pierre-Richard, c'est mon deuxième prénom. Bon, c'est pas grave, hein. Je l'ai replacé. Voilà. Donc, je vais reprendre ma Distress Faded Jeans. Je crois que ça va être définitivement ma préférée au niveau des pas de Distress, hein. Voilà. Donc, hop, on va reprendre ça. Et c'est parti. On va en remettre dessus du coup parce que j'ai trouvé le fait de faire la bordure à l'encre comme ça, j'ai trouvé ça plutôt sympatoche. Je sais pas ce que vous allez en penser sur la Memory Dex, mais moi j'ai adoré mettre de l'encre comme ça sur le bord en bas. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympathique. En fait, je pourrais même recommencer avec une encre beaucoup plus claire en montant. Mais, ou en fait, j'aurais dû commencer par le plus clair en descendant, en fait. Enfin, vous m'avez comprise. Lol. Ce qui n'est pas idiot, hein, donc à y réfléchir pour une prochaine création. Je vais le conserver, hein, parce que je l'aime bien. Je vais le garder. Je vais le mettre dans une pochette. Comme ça, je le garderai dans un coin. Et je le réutiliserai pour une autre création. Donc ça, pour le moment, je le garde. Je le scotche ici. Hop. Et hop. Ça, c'est bon. Donc voilà. Ça, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup. Je vais mettre ça. Je vais prendre mon fameux pochoir que je vais recoller aussi. Donc je vais reprendre le washi. Donc ça c'est là et ça on va le mettre ici. Alors je ne sais pas si ça va être tout à fait droit. J'ai un doute sur la question. Mon washi est en train de tout déchirer. C'est génial. Je ne sais pas si ça va être tout à fait droit. J'ai un doute. On verra le rendu du coup. Hein, ce sera la surprise. Voilà. Et on va prendre donc ma spatule et mon encre. Oui, super. J'en ai des âneries comme ça à sortir, je vous jure. Ma modeling pasta. Je le dis en anglais, ça sonne mieux. Franchement, c'est plus joli carrément. Donc, ma modeling pasta. Je ne sais pas de quelle marque que c'est. Je ne sais pas, en fait. Voilà. On va plier ça comme ça. On va récupérer ce qu'il y a dans le bouchon. Voilà. Et j'espère que ça va rendre comme sur la memory. Mais j'ai adoré mettre ça aussi sur la memory Dex. Par contre, bien sûr, il faut attendre que ça sèche. Ce qui met un certain temps. Du coup, pour être honnête, je vais le sécher au heat gun. Ça ira beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Soyons clairs. Donc ça, je l'enlève. Je l'arrange pour pas s'en mettre partout. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en ai plein les ongles. Ce qui n'est pas grave en soi, puisque je n'ai pas encore pris ma douche. Donc, on va y aller après. Parce que ça sent le fennec. Non, je rigole. Je ne sens pas le fennec, moi.
Une licorne. Ça, c'est bon. Donc, on va prendre un truc. Je vais aller chercher. Excusez-moi, je reviens de suite. Je vais chercher un sopalin. Ah bah non, attendez. J'ai mes lingettes. J'ai pas besoin. Regardez. Hop, un petit coup de lingette. Ça part pas tout. Hein, soyons honnêtes, tout partira pas. Mais bon, j'ai enlevé le plus gros. Voilà. Après, ça reste que des pochoirs action. Hein. Voilà, donc je vais pas me prendre la tête autre mesure. Je vais essuyer ma spatule. Ouais, bah oui, si vous l'aviez pas remarqué, je suis encore en pyjama. Voilà. Je suis à l'aise, donc voilà. Et j'irai prendre ma douche tout à l'heure parce qu'il faut que je bouge. Il faut que je mette du gasoil dans ma voiture. Sinon, je crois que ben, mardi, je pourrais pas retourner travailler. Donc ça risque d'être compliqué. Je suis pas convaincue. Déjà qu'on a notre mardi, je suis pas convaincue que mon patron va me donner mon mercredi. Enfin, si, mon mercredi après-midi, mais pas mon mardi. Voilà. Hop. On va sécher au week-end. Voilà. Voilà, ça c'est plutôt bien. Parce que du coup, ça sèche nettement plus vite. Je sais pas ce que vous en pensez. Puis regardez, elle brille. Hein. C'est vraiment très beau. C'est. Attendez, je vous dis. Bréharis. Et donc, elle est. C'est la brillante. Donc c'est pour ça que voilà, ça c'est brillant. C'est marqué dessus. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais mettre. Du coup, on va rester dans le même délire. On va reprendre les die cuts de chez Action. J'avais mis des fleurs. Par contre, si je mets ça, vous voyez, c'est énorme, quoi. Je veux dire, ça va être vraiment trop gros. Ils sont super beaux, ces die cuts, mais ils sont immenses. Immenses, immenses, immenses. Je veux rester dans les mêmes teintes, donc voilà. Ah, la vache! Oh, pardon. Je les avais pas vus, mais ils sont juste magnifiques, les toucans. Oh là là. Ça me donne une idée de faire une page d'art journal. Ils sont trop beaux. Si je retourne chez Action, je vais en reprendre des pochettes de die cut. Et on va mettre le pélican. Non, oh, punaise. Je fais que des âneries. Ça fait un moment que je vais plus trop chez Action. Donc j'achète plus grand chose tout au moins. Là j'y suis allée hier chez Action parce que j'avais pas le choix. Mon chat, il est pas chiant, remarquez, hein, mais il ne mange que les pâtés Action. Donc il faudrait pas qu'Action ferme demain parce que sinon je serais bien dans la mouise avec Gizmo qui ne mange que les pâtés Action. Je suis pas sûre que je vais mettre cette là. Je crois que je vais mettre que le flamant rose. Et celle-là. Parce que du coup, si je mets ça, je peux même pas mettre. Si je mets un sentiment, ça va me cacher mon. Je vais mettre juste le truc là. Et je vais mettre un. J'ai rangé les fleurs. Je vais mettre juste le flamant. Et je vais mettre un sentiment que je vais juste tamponner. Je vais pas mettre de trucs en plus parce que sinon ça va vraiment être trop chargé. Il faut pas oublier que c'est pas très grand une ATC. On va le mettre en 3D quand même. Mais je vais assurer le coup. Voilà. Non, c'est pas de la colle pour le coller. Je vais poser les mousses 3D dessus. Hop. Parce que c'est. J'ai pas envie que ça se barre, quoi. Voilà. Je vais attendre que ça sèche parce que du coup, je peux pas enlever mes machines. On va peut-être faire ça. Comme ça. Est-ce que ça va sécher? Ou est-ce que ça va se faire fondre? Je sais pas. Voilà, allez, let's go, c'est bon. On va utiliser la pointe du touche-à-tout. Et logiquement, ça devrait le faire.
J'avais mis en route hein, le truc. Hein. Ouais. J'ai toujours un doute hein, sur ma caméra, sur mon téléphone, moi. Décidément, je vais pas mettre ma tête devant. Ce serait plutôt sympa de pas la mettre. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc, j'en ai mis en dessous, mais je vais en mettre au-dessus aussi de la colle. J'ai rangé. Ah là là, sacré moi. Vous savez, au lieu de faire les choses. Hop là. Alors, la première semaine des vacances, j'ai pas trop fait de vidéo. Je vous avouerai honnêtement que 5 minutes pour moi, je l'ai pas eu. Alors, du coup, j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, ben aujourd'hui, ben comme j'ai le temps, et ben je les enchaîne les unes derrière les autres. Du coup, vous allez avoir des vidéos pour quelques jours là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de en faire un peu plus régulièrement des vidéos, je vous assure, sauf qu'il faut trouver le temps. Et avec le taf, j'avoue que c'est pas toujours évident. J'adore faire mes vidéos, hein. Et du coup, il va vraiment falloir que je me dise, bah tiens, aujourd'hui on est mercredi après-midi, tu fais ça. Sauf que j'aimerais bien faire ça. Tiens, je vais peut-être mettre un. Vous savez ce que j'avais acheté chez les British? Donc c'est vrai que ben là avec les séances d'orthodontie et tout ça des filles, je suis hyper prise. Donc, ben, c'est super complexe quoi, pour pouvoir caser du temps pour faire une vidéo, ne serait-ce que une ou deux vidéos, quoi. Mais bon. Après, là, aujourd'hui, j'ai dit, bon, allez, c'est bon. J'ai rien à faire aujourd'hui. Hormis aller mettre du gasoil dans ma voiture. Hein. Ça, mais bon, je pourrais le faire demain aussi. Ça, c'est pas grave. C'est pas catastrophique en soi. Demain, je peux y aller. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire encore demain. Donc demain, je peux pas faire de vidéo, vous voyez. Du coup, j'ai dit, allez hop, aujourd'hui, ma poulette, faut faire des vidéos pour les copines et les copains. Donc aujourd'hui, j'ai fait des vidéos pour les copines et les copains. Voilà. Mon touche à tout, ce sera mieux. Hop. Hop. C'est super mignon. Ça fait un truc holographique. Ça rend plutôt pas mal. Et je vais mettre. Une ou deux demi-perles, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut. Je ne sais plus où je les ai mises. Là. Je vais en mettre une et deux. Ce sera très bien. Avec les nœuds là, ce sera plutôt. Ou alors, je prends deux petites que je mets sur les nœuds justement. Deux petites que je mets sur les nœuds, ce serait plutôt pas mal. Et la grosse, je la rentre. Voilà, parce que j'ai encore. Super, ça tombera pas plus bas. J'ai encore mon sentiment à mettre. Donc il faut que je cherche un sentiment qui me plaît. Je sais pas ce que vous pensez de cette ATC, mais en fait, elle est soft et en même temps, elle est trop belle. Enfin, voilà, pour moi, hein. Pour moi, elle est trop belle. Du coup, je me suis dit, comme t'as pas fait la mémoire avec eux, fais au moins la TC parce que voilà, qu'elle voit comment t'as fait, ne serait-ce que ta bordure là. Parce que expliquer comme ça, c'est facile, mais en fait, c'est mieux de le faire. Je sais pas ce qui est tombé, mais je sais pas où c'est tombé surtout. Ça doit être parti sous mon canapé. Voilà, bah, c'était une perfo. Hein. C'est une perforatrice. Du coup, je cherche un sentiment à mettre sur le flamant rose. Ça, non. J'ai mis normalement tous les trucs de mots devant.
Je vais mettre celui-là, là, au pays. Ah, punaise, il n'est pas prêt. Et ben, on va le faire ensemble. Ça fera une piqûre de rappel. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, instant que j'adore. Parce que instant que j'adore, il va prendre trop de place, je crois. Non, je vais mettre instant que j'adore. Je vais mettre instant que j'adore, mais je vous ai dit que je vous faisais une piqûre de rappel. Donc, au pays des vacances. Allez, je voulais mettre ça. Au pays des vacances, c'est au pays. Attendez. Au pays des vacances, c'est celui-ci. Donc, le truc, il est là. Donc, on enlève les deux protections qui sont là. Voilà, on le pose bien à plat. On enlève son tampon. Donc en faisant attention, surtout pour les filles qui ont des ongles comme moi. Vous enlevez la pastille ici. Donc c'est là qu'il faut faire attention avec vos ongles, les filles. Voilà, vous le mettez bien correctement au-dessus de vos mots. Du mot, en fait. Et hop, c'est fini. Et je vais mettre celui-là. Parce que finalement, il prendra nettement moins de place. Voilà. Et celui-là, je le range. Donc, je vais vous expliquer aussi. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi je garde aussi le surplus. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous ferai une vidéo tuto pour vos anciens tampons stampillés. Voilà, voilà. Mais ça, c'est une autre vidéo. Donc, je prends... Plexi, alors je ne retrouve plus les petits, va falloir que j'en rachète, tant pis, ça m'embête parce que je sais que j'en ai, mais je ne sais pas où. Je prends, qu'est-ce que je vais prendre comme encre? Je vais prendre, et ben vous savez quoi, je vais prendre Bleu Nuit de chez Stampin' Up, voilà, parce que c'est une encre que j'affectionne particulièrement chez Stampin' Up, le Bleu Nuit. Et on va faire... Donc, je vais le décoller. Et je vais le recoller comme ça. Voilà. Et on va prendre du Bleu Nuit. Vous voyez, bien comme il faut. Et on va le tamponner comme ça. Je pense que ça peut être pas mal au pays des vacances parce que... Voilà, ça rend trop bien. Je suis trop contente parce que ça rend vraiment, vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour demain. Chère, elle est là. C'est sur mon canapé, c'est un grand bordel. Parce que j'ai tout foutu mon matos sur le canapé. Et là, le délire, quoi. C'est du grand nap. Donc, je vous raconte ma vie. Vous en foutez peut-être. Hein. Bon, voilà. C'est du grand n'importe quoi. Disons que je suis obligée de m'étaler parce que sinon je n'ai pas de place. Voilà. Du coup, voilà. Mais moi, je le retourne pour que ça reste bien collé. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi je garde ça. Donc ça, je le range ici. Je range mon encre Bleu Nuit de chez Stampin' Up. C'est une encre que j'affectionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vais remettre mes trucs sur le mon lapin, mon touche à tout. Voilà. Donc voici ma petite ATC qui va aller avec du coup la Memory Dex. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Enfin cette création parce que c'est pas un tuto, hein, vous savez faire des ATC. Donc c'est plutôt une création. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et ben moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!